Bonjour, c'est Grifox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Forge Magie, c'est parti! On va commencer avec un bouclier d'Ilizael qu'on va essayer de faire en brisage PA. Donc pour ça, je vais prendre 100 orbes magistrales, j'ai 100 runes PA, et on va essayer de le passer. J'espère que ça va passer sur la première fournée de 100 runes. Alors voilà, je les craft tout de suite, hop! Et on est parti! Alors l'idée, ça va être d'avoir un jet aussi propre que possible et de mettre des pourcents de résistance air dessus. Bon, c'est un truc qui est assez coûteux, c'est une méthode qui est vraiment efficace, mais il faut être prêt à débourser beaucoup beaucoup de kama pour le FM. Bah, on va espérer que ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Bouclier d'Ilizael, donc le voici. Là c'était un jet que j'avais fait provisoirement, donc sans brisage PA, et vous voyez qu'il manque 5 d'esquive PM, donc c'est vraiment bof. Hein. Dans le doute, on va quand même essayer de mettre une petite rune PM, éventuellement si ça passe, ça fait plaisir. Bon, pas de rune PM. Allez, on est parti, je vais pas vous filmer le spam des orbes, hein, ça sert à rien. Je mettrai si le PA passe. Allez, c'est parti. Le PA vient de passer et vous voyez qu'il me reste 79 runes et 79 orbes, donc c'est passé en 21 tentatives. Bah c'est vraiment sympathique hein, ça concrètement, ça aurait pu être bien plus long que ça, donc je suis vraiment content, peut-être que si le jet n'aboutit pas on aura de quoi faire une deuxième tentative derrière. J'ai été assez attentif quand même parce que ça m'est déjà arrivé de repasser une orbe sur un PA qui était passé sur ce genre de technique. C'est un peu triste. Bon, alors on est parti, le FM va être assez compliqué parce que là le G est quand même très bas. Bah on va faire au mieux, hein, on n'a pas tellement le choix. Alors on va commencer par les dommages de mêlée éventuellement. Ok, ça passe pas du tout. On récupère 5 depuis. Je vais pas laisser ça en sous-G, donc il faut que je remonte. Moins 10 en vie, ouais, ça fait moins 2, donc on est à 0. Oups là. Hop. On continue, et bien décidément. Donc là, 8. Moins 7, ça ne fait plus qu'un. C'est pourri ce qui se passe là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, bon là concrètement on est à 0. Je vais remonter les restes comme ça. Je gagne 1. Allez, on y croit. Ok, ça fait plaise. La vitalité, comment je vais la remonter? Comme ça, on n'est pas trop mal. Hop. Là, du coup, j'ai 0 depuis. Je peux tenter. Enfin, je pourrais tenter une ravie, mais les pourcents de dommages vont vraiment mettre au fond. Ok, ça, c'est pas trop mal. Donc là, on a 21, moins 15, ça nous fait donc 6. Il faudrait vraiment que le PA tombe au bon moment, mais là, le moment n'est pas vraiment bon. Malheureusement, j'ai pas regardé, on avait eu quoi sur le précédent? On a perdu bah, les 6 depuis, donc on était retombé à 0. Et là, on récupère 93 donc, sur le PA qui tombe. Je vous cache pas que je suis pas très serein. La vitalité, malheureusement, on pourra pas avoir mieux que 142, ça serait un peu... ça risque de... ouais, on va se contenter de 142. Hop, je vais la remonter tout de suite. Non, je vais commencer par les esquives PM. Hop, donc ça crit, c'est chouette. Je vais les mettre à 8. On va mettre les res à 8 également. Ok, donc là, beaucoup de crit, ça c'est très agréable. Ça nous mange pas de puits. Je vais remonter toutes les caractéristiques un petit peu simultanément pour ne pas en avoir qui sont trop en retard par rapport aux autres. Alors la vie qui prend 22 puits. Et là, les pourcents de dommages. Ok, ça passe, ça aurait pu être bien pire. Moins 30, il nous reste donc 43 depuis. 43 pour remonter les esquives. Ok, moins 21. Et malheureusement, j'imagine qu'on n'ira pas très loin. Et malheureusement, ça ne passera pas pour cette tentative. Au moins qu'on ait de la... Ah, remarque là. Là-dessus, je récupère 12. Bah, je peux faire deux tentatives là-dessus. Hop. Voilà, bon bah si le dommage repasse en crit là, on va dire que c'est bien, mais malheureusement non. Bon, je continue quand même un tout petit peu dans le doute, mais non, c'est foiré. Il va falloir repartir en Exopéa, dommage pour cette première tentative qui n'aboutit pas. On se retrouve 12 runes plus tard, donc j'étais à 79, je suis à 67, donc beaucoup de chance là sur les PA, j'ai un deuxième PA qui vient de passer sur l'item. Il y avait cette fois-ci un G qui est bien meilleur. Bien meilleur, on va essayer de monter la vie à 150 avec des pavis.
Allez, on espère que cette fois-ci c'est la bonne et qu'on aura un truc propre. Ok, ça crit, ça crit. Ça c'est très nul ça par contre. Hop. Ah! Ça partait pourtant bien. Bon, pour l'instant ça va. Là on a 3. 3, ouais, on a 0. Hop. Je vais peut-être plutôt commencer par les dommages du coup, mêlée apparemment ça n'a pas l'air de bien vouloir passer. Peut-être que j'aurais plus de chances de faire tomber le PA sur une grosse rune comme ça. Ok, c'est pas trop mal quand même. Là j'ai 21 moins 15, ça me fait donc 6 depuis. Les esquives qu'il va falloir remonter maintenant. Et qui m'enlève mon puits, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On gagne 1. Là ça nous fait 4, 10, plus 3. Ah, j'aurais aimé que le PA tombe vraiment directement, ça aurait été bien mieux. Ok, un critique là, ça fait vraiment plaisir ça. Malheureusement, là je récupère 1. Ça retombe directement derrière. Bon, je prends mon temps, hein, vous voyez, mais j'ai vraiment pas envie de foirer. Ok, donc là j'ai plus de puits. Ok, là le crit qui fait plaise. Alors il faut que je calcule bien la vita pour tomber sur une valeur proche de 150. Ok, donc là j'ai gagné 3, j'ai perdu 3. Je gagne 3. Je perds 3. Ok, j'ai 0 de puits. Le suspense est palpable, hein, là concrètement, la tension. J'aimerais vraiment que ça aboutisse sur un truc propre. Je gagne à nouveau 1 là-dessus. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai les dommages qui sont à 15, et ok, le PA tombe. Donc, là, on est bien d'accord que j'avais 2 des 2 lignes précédentes, et je récupère 93, ce qui me fait donc 95 depuis. 95 depuis, et on aura la vitalité à 143. J'ai pas envie de partir en overvita et de la rebaisser ensuite, ça risquerait de manger beaucoup trop de puits. On va y aller comme ça. Allez, la vie, moins 20. Je vais mettre les esquives à 10 et on terminera par les raises. Bon, c'est pas mal ça, les doubles crits là. Ok, moins 14. Ce qui nous fait donc plus que les résistances haut à remonter. Moins 18. Et ben là, on a vraiment un truc potentiellement sympathique là. Hein. Puisque j'ai 7 tentatives sur les repères R. Sur un G qui est vraiment pas mal. Et allez, on y croit. Ne serait-ce qu'une, ça me ferait vraiment plaisir, et si je pouvais en avoir deux, alors là, ce serait incroyable. Bon, bah 1% là-dessus, sur ce jet, je suis satisfait, j'aurais vraiment aimé avoir 2%. Si j'ai eu plus de kama à investir là-dedans, bah j'en tenterai d'autres. Pouf, j'ai le j'ai le cœur qui palpite. Concrètement, je vais peut-être voir si je vous fais un autre exo sur brisage avec les runes et les orbes qui me restent. On va voir. Bon, je suis quand même content, ça s'est plutôt bien passé. 143 en vie, c'est un peu léger, j'aurais aimé avoir au moins 145, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, et de toute façon, voilà, sur comme c'est 1%, ça m'ira pour l'instant. Mais je serai amené à le refaire en étant plus exigeant sur le G. Ça dépendra encore une fois de mes moyens. Allez, c'est tout pour ce bouclier qui m'aura apporté beaucoup d'émotions. On s'intéresse maintenant à une cave de Diondin. J'aimerais mettre 3% de reste feu dessus avec un G très propre. Là j'ai qu'un pour cent, donc ce que je vais faire c'est que je vais tenter une petite exo, on va tenter une invoque. Ouais, si on a une invoque là-dessus c'est pas mal. Bon, bien sûr ça ne passe pas, bon bah on se retrouve au prochain puits PA. Et c'est en fait un puits PO qu'on va essayer d'exploiter, concrètement on va devoir over la vitalité, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, la vita il faut que je dégage 4 depuis. 4 depuis que je ne vais avoir du mal à trouver. Ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas, on va donc y aller avec des petites runes pour le faire redescendre la vitalité. Ok, c'est pas mal. Ensuite il faut over intel, décidément c'est compliqué. Moins 17. Et bah ça nous laisse pratiquement plus rien là en termes de puits. Bon bah à nouveau. À nouveau je vais devoir casser l'over. Ensuite, deux dommages. Ok, ça crit. Bon, il y a peut-être un petit espoir. Malheureusement non, ça n'aboutit pas. On a un puits PA qui est quand même sur un G un peu dégueulasse. On va voir si on arrive à en tirer quelque chose. L'intelligence a pris vraiment cher, donc il va falloir la remonter. Ok, donc là on est sur du moins 6. Hop. Allez, on va espérer avoir un truc bien. Bon là on va arriver à 80 d'intel, donc ça c'est une bonne nouvelle. Moins 20 pour l'intel. Alors le tacle.
Le tacle, on va bien sûr remonter à 15, moins 4. Les résistances R qui crit. Et les soins qui crit également. Oh, pas mal. Pas mal, belle tentative. 62, donc là j'ai pas grand chose à faire avec les deux de puits. Bon, je pourrais espérer un double succès crit là-dessus. Mais voilà, bon, pas de succès crit malheureusement. Bon, on peut toujours tenter, hein, mais bon, alors en termes de probabilité, on est sur quelque chose de quasiment nul. Ok, donc on peut faire 10 tentatives de résistance feu. C'est parti. Allez, j'espère que ça va aller. Ah bah dis donc, génial. Bon bah 2%, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et est-ce qu'on a un PA? Pas de PA. Petit puits PO, concrètement, l'intel est moche. Allez, on remonte ça direct. Je vais avoir du mal à exploiter ça correctement. Il faut que je rebaisse l'intel. Oh putain, je perds 10 de puits là-dessus, je déteste ça. Bon bah moins. Enfin, 1 de puits, pardon. Hop. Alors là, on a moins 1, moins 3, 4, moins 7, moins 10, décidément. Moins 13 sur la vie. Et bah, d'ici, ouais, ça casse un peu mon truc là. Ça casse un peu mon G. Ok, la vitale, en revanche, c'est crit, c'est pas mal. Il va nous falloir le tacle, moins 4, et les esquives PM. Et ensuite, on va pouvoir partir sur de l'exorèse. Ok, ça crit. Bon, bah, 19, on a 3 tentas, on va pas aller bien loin. Malheureusement. Mais bon, 2% quand même, hein. 2% si on a un crit là-dessus. Dommage. Ok, le PA vient juste de tomber. On a un truc un petit peu dégueulasse, notamment la vitalité qu'il va falloir beaucoup remonter. Je pense que je vais laisser l'intel à 77, tant pis. Hop, donc là on est à moins 32 pour la vie. Bah, ça coûte déjà vraiment cher. Ensuite, la sagesse qui crit. Ok, ça met bien. Le tacle, moins 8. Hop, les dommages feu. Moins 5, moins 10. Les esquives PM. Et il restera plus que le soin à remonter ensuite. Et bon, on va espérer avoir un truc propre. Ok, le soin qui passe également. 31 depuis. On a donc le droit à 5 tentas. Je mets des restes. C'est pas du tout ce que je voulais. Bah, décidément, heureusement que c'est pas passé. Et la cinquième. Hop. Et ah, c'est passé en crit, donc on en a encore une, et on arrive à 2%, un peu laborieux, mais ça passe quand même, et pas de PA malheureusement. Bon bah juste après, enfin juste pendant que j'étais en train de remonter mon G, le PA est à nouveau tombé, donc là je suis un peu sceptique sur ce qu'on va pouvoir en faire, mais on va quand même essayer, pourquoi pas. Donc là j'ai ça comme puits, est-ce que j'en ai récupéré ici? Oui, là j'ai récupéré 4, bon j'ai... au moins 92, il m'en restait peut-être d'avant, mais je ne crois pas. Bah avec la vitalité, là, on va pas aller loin. Hein. On va pas aller loin. Est-ce que je vais avoir assez avec 9? On va voir. Ouais, c'est bon. Je vais aller sur un G rond en vitalité. Donc là, on est à moins 9 pour la vie pour l'instant. Bon, en fait, à part la vitalité, ça va. Le reste est à peu près correct. Hop, oh, les critiques, là, qui mettent bien. Ok, moins 30 quand même, hein, ça fait mal. L'intel, je vais être obligé de partir sur un over malheureusement, moins 20. 4 depuis, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre deux rest fixes. Ouais, j'ai rien qui pourrait me permettre de l'exploiter parfaitement. Hop. Ensuite, les deux feux. On va tenter la pas de feu. Et malheureusement, ça ne passe pas, ça nous fait du moins 13. Et du moins 27, et bien malheureusement on ira nulle part avec ça. Oh! Le PO qui tombe dans la foulée, alors ça peut donner quelque chose de sympa. Ça peut donner quelque chose de très sympa. J'avais 6. Je récupère 51 et je perds 10 pour le soin, ce qui me laisse 47. 47 là sur un jet qui est extrêmement propre. Bon alors il va nous falloir un double succès crit à la fin. Mais on peut espérer avoir quelque chose. Ouais, 47, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué, 47. J'aurais préféré 48. Est-ce que j'avais pas un petit peu de puits qui me restait avant par hasard? C'est un peu flou tout ça. C'est un peu flou. On va voir. On va déjà partir sur 7 tentatives. Je vais les mettre en automatique. Hop. On va voir si ça me sort un truc sympa ou pas. Ok, donc là pour l'instant j'ai juste 1%, 2%. Bon, je vais tenter comme ça. Hein.
Je vais tenter comme ça. Je commence par le PA ou le PO? On va aller sur le PA en premier. Le PA, bon, de toute façon, voilà, ça règle la question. Dommage. Le PA vient de tomber, mais sur une rune Rasa, donc il m'a déjà mangé 30 depuis. J'espère qu'on aura tout de même assez pour aller chercher un jet sympa. Je vais donc pas remonter l'intel plus que ça, et je vais laisser la vitalité à 343. Voilà, je peux pas vraiment faire mieux au vu du puits qu'il me reste. Je veux avoir quelques tentatives sur les résistances. Hop, le tacle qui passe pas très bien. On est sur du moins 8. Allez, moins 13. Hop. Ouais, j'y crois pas trop, mais bon, on va quand même tenter, hein. Histoire de tout exploiter. Ok, moins 6. Moins 13 à nouveau. Et le soin. Le soin qui m'enlève à nouveau 22 puits. Et oui, c'est très mauvais tout ça, et malheureusement. Malheureusement, on n'aura qu'une seule tentative pour les raids. Ah! Eh ben, on s'en sort quand même avec un 2%, grâce au crit, improbable. Et le PA qui passe là-dessus, sur du... Donc là, bon bah, on a qu'un 2%, on est sur un G qui est bof au niveau de la vitalité de l'intel. Eh ben, je pensais vraiment pas que ce serait là-dessus que j'allais aboutir, sur un 2% avec un G quand même acceptable. Malheureusement, j'avais dit que je prendrais du 3% mini. Alors là, j'ai deux options, c'est soit je tente le 3e% en crit, soit... Je tente une invoque et je vais plutôt partir sur une invoque. Allez, hop, ok, ça ne passe pas, dommage. Alors là, on a un PO qui vient de tomber, mais c'était sur une rune Rainée, donc ça mangeait pas mal de puits. Cela dit, on a l'intel qui est nickel, la sagesse parfaite, et on va avoir une belle vitalité. Hop, voilà, ça crit en plus, donc on a quand même moyen d'avoir un G vraiment propre. Mais il va nous falloir beaucoup de chance, hein, sur les prochaines runes tout de même. Parce qu'au niveau du puits, on va être un peu léger. Alors hop, les trois soins me font peur notamment. Les trois soins me font très peur. Ok, les dommages feu qui crit. Le tac qui crit, c'est pas mal là pour l'instant. Si les soins passent sans trop de difficultés, ça ira. Et on se prend moins 20 sur le soin. Il ne reste qu'une seule tentative. Bon, si ça fait comme tout à l'heure, on va avoir 2%. On va y croire. Ok, bon, on n'a qu'un pour cent malheureusement. Et le PO qui ne repasse pas, tant pis. Le PA vient de tomber et on a 99 de puits avec un G qui est très propre au niveau de la sagesse. L'intelligence, malheureusement, 77, je vais la laisser comme ça. Et on va partir sur un petit over vita, histoire d'aller chercher un gros G en vitalité, qu'on va rebaisser juste après. Moins 20, bon, on perd beaucoup de puits sur la vita, mais c'est correct. Les soins sont déjà maxés, là on a vraiment une belle tentative et j'espère que ça va aboutir. Hop, on est parti, le tacle qui crit, c'est parfait. Le deux feux qui crit, et bah décidément c'est joli tout ça. On a moins 6 là-dessus. Et ça nous laisse 70 de puits. 70 de puits, est-ce que je tenterai la païnée? C'est un peu ambitieux. C'est un peu ambitieux, mais ça peut passer avec vraiment un gros coup de bol. Bon, de 77 à 80, la païnée c'est très compliqué. Je vais quand même tenter. Ok, bon, je m'y attendais, mais c'est pas grave. Ça me laisse donc 11 tentatives de résistance. Là vraiment on peut choper quelque chose de magnifique. Allez, j'y crois. Allez, déjà une qui passe, deux. Allez, une troisième, ce serait vraiment bien. Tant pis, bon bah deux. Si on a deux là-dessus, je pense que j'arrêterai le FM ici. Et c'est effectivement ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Donc on reviendra sur cet item pour faire un plus gros G. Peut-être que je retenterai une invocation là-dessus, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Bah voilà, je pense que ça va conclure cette vidéo de Forge Magie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.